la comment sur voilà, ah, vous m'aurez compris. Ça joue pas sur la rapidité de minage, mais Et ouais, mine de rien, 1 minute 30, ça dure pas très longtemps. Est-ce qu'on soigne, on s'en servirait contre l'Under Dragon? Je ne pense pas. Je vois pas l'utilité de m'en servir contre l'Under Dragon. Juste éclairer un petit peu plus. Ah, du diams. Ok, c'est bon ça. Allez, qu'est-ce que tu me donnes? 1, 2. Ok. 2 seulement? Rodin. Allez. Les filles, il y avait de la lave à proximité. Bon, et ben écoutez, ça progresse. Zut, c'est pas ça que je voulais. C'était ça, et puis je vais remettre une là. Et une quand on sera là-bas. Bon, un peu moins chanceux que dans l'épopée d'un enchanteur, hein. Niveau diamant, y a pas, mais bon. Là, on en a eu que 2. J'avais des grappes parfois de 8 diamants. Je crois que je suis arrivé à une grappe de 11 diamants, il me semble, avec... et puis j'étais à l'époque accompagné de... d'un joueur, je sais plus qui. Je sais que j'étais avec un joueur, mais alors qui? Je me souviens plus. J'étais sur le serveur à l'époque. Je lui ai dit, tiens, viens voir, j'ai trouvé une superbe grappe. Je l'avais carrément déterré du sol, enfin du sol. Je l'avais, ouais, isolé en fait, hein, dans la grotte. Pour qu'on puisse convenablement les compter. C'était magique. C'était magique ce coup-là. Mais bon.
voilà. Toujours du minage optimisé, ça change pas. J'ai toujours encore un freeze. Je sais pas d'où ça vient. Ni pourquoi, ni comment. Toi, je t'avais pas vu. Maintenant que je t'ai vu, tu es à moi. Allez. Oh zut. Allez, on continue, on continue. Bon, ça m'énerve ces frises là. C'est quoi qui m'embête? Bon, je sais pas. Bon, attendez. Il y a un truc là. Mon disque dur il hurle ou... C'est mon disque dur qui hurle? Non, il me reste encore 200 gigas de libre. Ça devrait aller. J'ai mon admins quand même de lancer à côté, mais je peux pas le fermer. Donc, oui, parce que c'est l'inconvénient aussi de NetBeans, hein, de... C'est que vu qu'il est titulé de Java, parfois ça peut bloquer un petit peu, mais je trouve rien. Faut juste pas que ça m'arrive en combat. Oh, contre l'Honor Dragon, vous imaginez si ça m'arrivait. Oh la rage. Ah. Faut quand même pas passer à côté des bonnes choses. En fait pas, je l'ai vu. Bon hop, mais de toute façon c'est pas vraiment ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse c'est bah, déjà le faire pour me refaire des pièges à chaque fois, mais surtout le diamant, hein. Il me faut du diamant, il n'y a pas. Bon, ça, je vais quand même l'épargner un minimum. Est-ce que j'ai de quoi... est-ce que je peux optimiser mes ressources? La réponse est non. Pas encore. Donc optimiser, hein, simplement, c'est quand on a plus de 3 stacks d'un truc qui peut être reconverti en bloc. Notamment, bah, par exemple, ouais, pas le fer parce que quand même pas à ce point-là, mais... Mais par exemple la redstone et le charbon, quand on a plus de 3 stacks de charbon dans son inventaire, il vaut mieux plutôt recompacter en bloc de charbon. Ça prend moins de place dans l'inventaire. Ça prendra que 2 slots au lieu d'en prendre 3 quoi. Et quand on a 4 stacks, évidemment, bah, ça reste sur 2 slots. C'est une astuce simple mais... efficace. Bon. Je sais pas jusqu'où je vais comme ça, mais je vais loin.
J'espère que le pack Affinity HD vous plaît quand même. Moi personnellement j'adore ce texture pack. On l'avait trouvé à Guin, il me semble. Et puis depuis, on recommande de s'en servir. C'est le skin recommandé sur notre serveur, même si bon on n'impose aucun skin. Oh, aucun skin, aucun texture pack. On vous recommande de jouer avec Affinity HD, c'est le plus sympa. J'aime bien aussi, c'est. Il y en avait un qui s'appelait pendant un temps John Smith. Je sais pas s'il est encore entretenu, mais celui-là était aussi pas mal. John Smith. Je sais pas si c'est en référence à quoi. Ça doit être en référence à quelque chose, hein, ce nom. Mais alors à quoi? Alors, je suis incapable de vous dire. Est-ce qu'on tente de se faire une fonderie géante? Ce serait génial, ça aussi. Mais bon, elle sera jamais utilisée parce qu'on n'aura jamais de ressources à outrance. Bon, on commence déjà à être plein. Voilà. Bon, j'ai eu combien de diamants de plus? Deux. Ça fait 6 diamants sur cette session de farming. Pas énorme. Mon record, je crois que c'est un demi-stack en l'espace de d'une demi-heure. Ouais. Non, c'était pas ça. C'était en 1 heure, je crois. En 1 heure, un demi. Ouais, c'est ça. Ça devait être ça. Ok, plus de. Non, c'est pas ça que je voulais. Oh, c'est pas vrai. Bon, on reste quoi là? Ouais. Hop. Alors. Sinon, quand on va croiser de la lave, on va y balancer toute notre cobble. De toute façon, de la cobble, j'en ai presque un double coffre, donc j'en aurais pas besoin de plus que ça. Faut également que j'anticipe également sur comment s'affronter l'Ender Dragon. Je pense utiliser une méthode un petit peu que je vois peu, mais que enfin, je pense être le seul à avoir inventé cette méthode, mais je ne suis absolument pas sûr. En tout cas, je ne l'ai jamais vu être utilisé ailleurs. Ce n'est pas la méthode de la citrouille sur la tête, ni les boules de neige pour. Oh, quoique les boules de neige, tiens, pour les. Comment dire, pour les healers, ça pourrait être une bonne idée. Mais oh, pas plus que ça m'attire pas plus que ça comme idée. Mais pourquoi pas, remarque.
Ok, bon. Trois stacks de diamants. De diamants. J'aimerais bien. Trois stacks de redstone. Je serais éveillé, moi. Ah bon. Va libérer un stud pour récupérer la cobblestone qu'on avait droppée. Non, je pense que je vais. Ouais, ok. Hop. Dès que j'ai la lave. Ah oui, puis il n'y a plus de. Hop. Ouais, bah, en fait, pourquoi je reviens ici? J'ai pas besoin. Hop. Voilà. Bon, ben, on continue, hein. Pas de soucis, pas de problème. Pour le moment, toujours pas de lave. On va arriver jusqu'au Stronghold, comme ça. Non, on n'est pas dans la bonne direction. Mais ça aurait pu, hein. Ok. Allez, la pierre. Ça. Ouais, en fait. Ouais, surtout qu'en fait, on va déplacer. Non, j'ai cru voir un truc, mais non. Hop. ouais. Ok. Alors, pierre, pierre, pierre et pierre. Encore de la pierre. Un peu de terre. Ok, on va récupérer ce qu'on a laissé. Bon, tant pis pour celui-là. Ah oui, bah oui, bah j'avais tout. Bah non, j'avais pas tout récupéré. Allez. C'est là. Hop, on va balancer ce qui reste.
D'accord. Pierre. Pierre et ok. Là, on a du charbon. Là, on a du gravier qui pourra nous servir à faire des flints. Ça, ce sera à fondre, ça aussi. Du fer fondu. Et de la redstone. Là, on va partir sur le chemin du retour, comme ça. On va quand même vérifier si on peut pas. Ouais, ok. On va juste découvrir un petit peu ici. Allez, et on est reparti dans l'autre sens. Eh ben, on en aura parcouru, hein. Et c'est mon avant-dernière pioche, ouais, bon. Bon bah voilà, bah on continue et puis c'est tout, hein. Que dire de plus? Allez, est-ce qu'il y a un sujet que je pourrais aborder avec vous? Qu'est-ce que je pourrais aborder comme sujet qui pourrait vous plaire? Jeux vidéo? Est-ce que ça vous intéresserait? Est-ce que de savoir ce que j'attends du monde du jeu vidéo? Non, bon, on va dire, c'est vrai que je suis plus trop dans le monde des jeux vidéo en ce moment, donc excusez-moi, j'ai juste une main sur mon clavier, c'est pour ça que je suis en train de. Comment? Non, je sais pas. Ok. Là, on a un petit problème. Petit, tout petit problème. Un problème presque insignifiant, j'ai envie de dire. Ok, dernière pioche. Et après on s'arrêtera là, on fera autre chose. Bah, on s'arrêtera là tout court en fait. Pour moi. Sinon, c'est tout. Normalement, cette série sera tournée, enfin sera diffusée à peu près en même temps qu'Alpha Centauri. Que ma série sur Alpha Centauri. Je cherche d'autres jeux rétro. Ben, il y a un autre jeu rétro, mais le problème c'est qu'il est déconseillé aux enfants. Enfin, aux...
aux jeunes, quoi, pas forcément aux enfants, mais aux personnes de moins de 16 ans. Il y a un Piggy 16, hein, en gros, enfin, à l'époque, parce que c'était un jeu rétro, hein, les Piggy n'existaient pas. Mais voilà quoi, si on devait mettre un Piggy dessus, ce serait certainement déconseillé aux moins de 16 ans. J'aurais bien envie de le faire, mais tout le monde autour de moi me déconseille de le faire. Donc même si je le fais, je mettrai un avertissement certainement de avant chaque épisode. Mais sachant que de toute façon, l'essentiel de mon public, vous êtes assez jeune, je pense pas que je ferai cette série. Je sais pas. Peut-être plus tard. On pourrait bien se taper des barres sur le jeu auquel je pense. Je vous dis pas lequel ça serait. Je vous dirai jamais quel jeu à l'avance je ferai, à part si là je viens de spoiler pour Alpha Centauri. Mais normalement tout devrait bien se passer. Parce que je vous ai dit, hein, je tourne en parallèle deux choses sur ma chaîne, Alpha Centauri et du Minecraft, enfin Alpha Centauri, un jeu rétro, peu importe lequel, quelque chose, et puis et du Minecraft, sachant que tous les mois il y a également, je n'ai plus de torche. Sachant que tous les mois, il y a également un épisode de de l'émission sur Flash, où je vous présente un jeu Flash. De la prochaine émission. Je la ferai certainement demain avant le ouais. Bah écoutez, oui, je pense que pour moi demain il n'y aura pas d'épisode de Jungle Hardcore. Je tournerai l'épisode le prochain épisode de l'émission Flash normalement. Ça commence à devenir compliqué de trouver des jeux Flash qui se ressemblent pas. Ok, plus de. Alors je suis désolé, mais je vais devoir casser 4 blocs à la main là. C'est vrai que j'ai pas fait attention à la durabilité. Normalement, si je casse ici, je devrais retomber sur mon. Je sais que je peux me refaire des pioches en fer, mais en vue de remonter, commence à devenir claustro là-dedans. Au pire, la série, comment que